me laisse pas crever ici. Attends, c'est lui qui m'a tué ? T'es pas David, toi ? Merci. Je t'en dois une. Qui es-tu? Crane, c'est Spider qui m'envoie. Pourquoi? Il lui est arrivé un truc? Il est tombé sur les gars de Rice, mais il va s'en sortir. J'ai apporté les objets qu'il cherchait pour toi. Bah ouais, on a eu du mal, quoi. Merci, Crane. J'ai eu ça du mal. Ça va vraiment changer les choses. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. Je pensais que tu savais. Je sais qu'il est question de l'origine de l'épidémie. Oui, la météorite. Je sais où elle a atterri. Tu crois que l'épidémie vient de l'espace? Tu crois que c'est une coïncidence? Et t'as des preuves? J'en avais. Les gars de Rice sont repartis avec mes derniers échantillons. J'allais envoyer Spider en chercher d'autres. Tu pourrais t'en charger? Des météorites. Ça fait autant de dégâts que la mienne. Ils sont résistants, les cons. Et moi, je vise vraiment très mal. Ils étaient nombreux, quand même. Qu'il se fasse tuer. Là. Fais pas ta misorée. Tu vas où? C'est pas terminé. Eh oui, ça attire toujours des... Merde, c'est nos médocs, les gars. Personne.
T'es censé être qu'intermédiaire, hein. En fait, c'est le crochet qui allait pas. Voilà, c'est ça, c'est le crochet. Et en plus, elle était à moitié vide, quoi, sans déconner. Vous foutez du monde! Bon, voilà, donc il faut qu'on aille faire quelque chose sur des météorites. J'ai atteint le site, je vois rien. Très bien, écoute. Les fragments de météorites réagissent à la lumière verte. Ça les rend faciles à repérer. Les gars en combi hazmat ont installé des lampes et un générateur. Ça devrait encore fonctionner. D'accord. Je l'ai pas éclaté du premier coup, quoi. Ouais, mais je fais ça, j'ai tout le monde qui va arriver, et vu comme je rame là. Il tient mieux sur ses jambes quand même, hein. Je devrais peut-être arrêter d'appuyer sur cette gâchette. Les échantillons de météorites.
va falloir que j'appuie 5 fois sur les... déconnu. Ils sont par là, d'accord. Je l'ai vu. Il est là. Voilà. Ils ont été gentils, ils m'ont pas remis des gros là encore. 4. Ah, et le cinquième, il doit être dans l'eau là. Ah, on les a trouvés. Wouhou! Voilà. Ah, je crois qu'il a terminé sa mise à jour. T'as vu, je rame. J'ai l'impression de plus trop ramer. Purée, il a fallu qu'il me fasse une mise à jour pendant ça. Faudrait que je me regarde à ça. Ils montent plus vite que comment grimper quoi. Hop là. Tu vas voir qu'il va les vendre après sans forêt. J'ai des fragments de météorites. Bien. Je vais les charger dans la chambre d'accélération et on aura de quoi aller affronter les reptiles. Bah hé, attends un peu là. C'est qui que tu veux aller affronter? Bon, d'accord. Techniquement parlant, ce sont des gadoïdes, ils viennent d'Orion. Mais reptile est un euphémisme très utilisé, même si c'est pas très scientifique. Et ces gadoïdes, on fait quoi? Bah, ils sont venus sur Terre il y a des millénaires de ça pour former l'ordre des Illuminati. Maintenant, ils veulent nous dominer et s'étendre dans tout le quatrième niveau. J'ai pris des risques pour essayer. Ils transforment les gens en esclaves. Mais maintenant, tu vas pouvoir les arrêter parce que t'as ça. Sans blague. N'oublie pas, ça pourra pas traverser un bouclier gamma à variable rapide. Mais à part ça, ça devrait tout désatomiser. D'accord. Compris. Autre chose? Selon mon estimation, tu as environ 500 charges avant de devoir remplacer les fragments de météorites. Alors, au front, soldat. Renvoie-les en enfer. Merci, David. Merci beaucoup. D'accord. Récompense, mitraillette, je sais pas quoi. C'est un plan, ça, ou quoi? Non, c'est pas un plan. Inventaire. Je sais pas trop ce que je lui ai pris en fait. Ça doit être. Ah, je peux faire des grenades et tout. Hein. Grenade à fragmentation. Ça, c'est bon ça. Ah, ça c'est bien, les grenades maison. Ah, c'est cool. Bombe de Kurt. Oh là là. Ah, je suis content. Bon, ben on a fait une quête, hein. Voilà, c'était une quête. Mais je trouve pas ce qui... Peut-être que je l'ai pas pris, je sais pas. C'est un plan. Classique, électricien. Ah ben je sais pas du tout. Tout. Ben je sais pas trop. Ah, voilà, oui, c'est ça.
Ok, anti-gago. D'accord, ok. C'est puissance 0, précision 0, cadence de tir 6. D'accord, j'ai fait tout ça pour une merde. Allez, on l'essaye. On sort de là. Bon, j'ai deux choses qui me servent plus. Ça, toi, tu peux aller là. Et ça, toi, tu vas être remplacé par ça. Voilà. Même ça, je n'ai plus des masses beaucoup. La faucille 3, 3 et 2. Ah, celle-là, elle arrache. 132, 157. Ah, ça fait pas si mal que ça. Vous avez vu le couperet là. Toi, je pensais qu'il faisait plus de dégâts, quoi. Bon, on fait quoi maintenant? Quête, mais j'ai plus de quête ici, station radio. Nettoyer l'avant-poste de la station radio. De la station radio. Ah, salut. Ou une fois Karina. C'est en face. Tu me mets en bagarre. Ah, ça va arriver là. Entre les deux alors. Là. Voilà. Oh, une épée là, bien. Bon, elle est pas bleue, mais bon, c'est pas trop grave. Oh.
Crane, je m'appelle Mort Morris. Je travaillais à l'hôtel de ville avant l'épidémie, au département de modernisation et maintenance des infrastructures hydrauliques. Un sacré boulot, je peux vous dire. Ces derniers temps, il me manque plus que mes enfants. Ok. Alors, vous voulez me demander quelque chose ? Oui, je devais à nouveau rétablir l'eau dans le voisinage. Mais c'est impossible à cause de ces fichus morts-vivants. Et ça me tue, littéralement. Pourrais-je vous convaincre de le faire ? S'il vous plaît, oh, ce serait un beau geste civique, apprécié par des dizaines, voire des douzaines de nos concitoyens. Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffirait de rediriger le débit d'eau, c'est tout. Et ce serait d'une aide précieuse. Cela permettrait à notre merveilleuse fontaine de fonctionner à nouveau. Ok, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi, alors ? Merveilleux, fantastique. Il vous suffit d'aller aux 3 stations de pompage et d'intervertir les vannes. Je vais vous montrer où elles sont. D'accord, un plan d'eau... D'accord. Cette quête-là, elle a l'air plus intéressante que les. C'est quoi ça? Bandages et médicaments. Station radio fontaine. Ouvrir la vanne près de l'hôtel, allumer l'eau près de la mairie et allumer l'eau près de la chute de canal. D'accord, plan. Alors. Allez, on va aller au plus loin. On va commencer par celle-là. Oh, oh. Ah, un petit truc près, quoi, sans déconner. L'inventaire plein de quoi, je sais pas. Ah ben pioche antique, ça tu dégages. Allez, hop. J'ai pas besoin de toi. Machette paga. Allez, au revoir. Pioche de fer. Salut. Voilà, ça sera toujours mieux que ça. Les pauvres, ils ont pas de chance. Oh là là. Il va bientôt faire nuit. C'était par ici. Ok. Ah ouais, ça doit être... D'accord. Yeah.
Ah, ça leur fait que dalle, ça, quoi. Putain. Ah, bah attends, on va leur faire quelque chose. Putain, bouge pas. Il m'en reste cœur. Mince. Je suis allé trop loin. Mince, dans les plans. Je suis trop bête, c'est parfois. Kit de soins, crochet. Hop, la cocktail Molotov. Vous allez voir si. Il va me faire chier, disons. Je suis en train de me cramer tout seul, sans déconner. Vous êtes où, les gars? Il n'y avait pas qu'un qui me crachait des glavios, là. Allez, passe. Dommage. Ils veulent vraiment boire ces taux là, ça dépend. Je te jure quoi, 2 heures quoi pour m'écouter, quoi, à taper ce putain de truc quoi. De la clé de l'électricité à n'importe quelle arme.
De combat rapproché. Oh. Pourquoi pas. Vendre F. Oui, oui, je vais tout vendre. Là voilà. Et la première baraque, elle est où? Ah, j'en ai une juste à côté, mais c'est pas un endroit où je peux dormir, je crois. Donc il va falloir que j'aille là. Là c'est le musée je crois. Intendant, et puis c'est l'intendant et tout. Le mec il a pas peur, tu vois, il est dehors en pleine nuit. Hop là! Ça t'intéresse? Crane, content de te revoir. Spike? Putain, comment t'es arrivé ici? J'ai eu mal. Qu'est-ce que tu fous là, enfin, Brecken te passe le bonjour. Alors, à partir de maintenant, je ne bouge plus d'ici, ok? Tout ce que j'avais pour toi au bidonville, je peux te l'avoir ici aussi. Hésite pas. Ouais, merci Spike. Pas de soucis, mec. À la prochaine. D'accord, donc il est venu ici. Ah, c'est lui là. Bah, mais ça coupe sec là. C'est normal, c'est qu'ils ont des fusions. Mais t'inquiète pas, la prochaine arrive bientôt. Crois-moi, quoi de faire si je mange de l'enfer. Abonne-toi, comme ça tu sauras quand je mets la nouvelle vidéo. Et mets un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et ça m'encouragera. Sur ce, je te laisse, moi je vais hiberner. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.